Bonjour à tous et à toutes, ici vous savez. Aujourd'hui, on s'ouvre le dernier set qui ont sorti de épée et bouclier. Il va avoir un set après, mais ça a l'air d'être le dernier set de cette génération-là. Vu que les nouveaux jeux sont sortis, ils vont sûrement sortir des nouvelles cartes sur le nouveau set. Au contraire, ils vont sortir des nouvelles cartes sur le nouveau jeu. Avec les plein de nouveaux Pokémon qui ont sorti. Fait qu'aujourd'hui, on s'ouvre le bundle. Le bundle. La ETB. On va ouvrir le livret après. Parce que pour moi, c'est une découverte du set. J'ai à peine regardé de vidéos du nouveau set. Fait que j'ai aucune idée des cartons qu'il y a dedans. Fait que les jetons en acrylique. Un autre jeton acrylique. Des lignes avec le logo de 7. Un petit pack d'énergie. Un code. Des sleeves. Puis des séparateurs. Mais aussi le plus important, les 8 boosters. Fait que on part à l'ouverture maintenant. Fait qu'on commence l'ouverture avec un beau Regidrago. Pour vrai, les nouveaux Regis, je les trouve assez beaux. C'est assez. Si on pouvait s'attendre à des types un peu plus communs qui pourraient sortir. Il aurait pu sortir un golem de plante, mais ils ont sorti un électrique puis un dragon. C'est cool. Fait qu'on va dire une énergie de type feu. Bon, ça commence bien. J'ai dit plante, puis je l'ai pas dit. Un fossile. Vigward Energy. Thoracat. Vulpix. Snorunt. Fletchling. Ferroseed. Smurgle, Rotom Reverse pour finir avec. On commence bien avec une petite holo, avec un beau Metagross, yeah. Continue avec le beau petit Vulpix. C'est un Pokémon que je ne m'attendais pas à voir sur des boosters. Il aurait pu mettre un Fenor ou quelque chose, mais c'est très bien qu'il ait mis une Prévolution. C'est la première fois que je vois une Prévolution sur un booster. À part peut-être celui de Pokémon Go, mais il y avait plein de Pokémon sur le booster. Le code. 1, 2, 3, 4. On a une énergie de type acier électrique. Fait que Bregzen, Sigilyph, Golbat, Beldum, Stunfisk, Vulpix, Snorunt, Fletchling, Indeedee, puis on finit avec Delphox Nolo, Sad. Continue avec le principal de ce set-là. Ça, moi, les seules informations que j'ai eues, c'est. Il y a 6 Lugia dans le set. Dont un qui est une alternate vraiment trop belle. Que tout le monde va avoir. Mais bon, c'est le fun de tomber dessus. Fait qu'on va dire une énergie de type feu. Coup point d'en face. Fait que Lompony. Quadstone. Regenerative Energy. Fennekin. Durant. Elmolga. Baldum. Stunfisk. You Pider, puis on finit avec rien. Un beau Régi Liki. C'est, je pense, à date, c'est mon Régi préféré. Le type électrique, c'est un type vraiment sympathique. C'est un type que j'aime bien. Le code 1, 2, 3, 4. Mais pour des raisons obscures dans mes aventures, je prends toujours le type acier. Bon, on va dire une énergie de type O. Puis c'est là qu'il sort le feu maudit. Fac. Candice. Coroco. En tout cas, un croco. B.I.M. Litten. Rufflet. Fennekin. Durant. Inmolga. Ouh, ça commence très très bien avec un Rayquaza V-Max la noire gold. Un très beau carton. Tabarnouche, il est vraiment beau. Puis on finit avec. No way! Oh, le Lugia V! Oh! Full Art Alternate. Hostie. Un God Pack, ça. C'est un God Pack. Quel TV! Quel ETB. On continue avec le Regidrago. Colin. Je serais même pas obligé de le chercher très très longtemps. Tabarnouche. Fac. Le code. Allez, j'en tremble un peu. Colin. 1, 2, 3. Puis ils n'ont pas d'énergie. Fac. Palossand. Metang. Furiosaud. Dratini. Fibes. Fumpy. Litten. Rufflet,
Colin, ça pas bien. Une autre TG avec Renan, puis on finit avec rien, mais est-ce que ça va bien? Crime, je m'en remets pas là. Première ouverture du set, puis je sors le Godpack avec un Rayquaza puis un Lugia. Bon, c'est avec toi le code blanc. Faut scanner ça là. 1, 2, 3, 4. On dit une énergie de type feu, feu. Psy. Fait qu'Anorite. Je pars avec les autres cartons. Un fossile. Gali. Klink. Welmer. Gratini. Fibas. Fampi. Un Brandon. Puis on finit avec. Talonflame. C'est rien ça. On continue avec un Regidraco. Je pense que j'ai plus de Regidraco dans cette boîte là, mais bon. Si bol que ça. J'en tremble encore. Ça. 2, 3, 4. Je suis rendu même sans mots. On va dire une énergie de type. Vapoupsi. Ténèbre. Fac. Lens. Fleetchender. Clang. Fungus. Sandycast. Relicant. Alucha. Tokudemaru. Sun King. Puis on finit avec. Rien. Bon, je suis un peu moins déçu parce que là, on a quand même la Lugia. Là. Dernier booster. Le dernier booster, on va espérer pogner un petit cossin pour bien finir la vidéo. Même si la vidéo, elle va déjà très bien. Fait qu'on va dire une énergie de type. 1, 2, 3, 4. Vapour électrique. Fini avec le gazon. Fait que Toxicroak. Jinx. Toxapex. Zubat. LVM. Fungus. Sandygast. Relicant. Kling, puis on finit avec. Pas grand chose. Fait que voilà tous nos beaux hits. On commence avec le petit Metagross holo. Une petite surprise. Le Ryan. Un très beau carton, un beau TG. Vraiment cool ce gars-là. Une des surprises, c'est quand même la Rayquaza VMAX. Je pense des Vaming Skies. Un très beau carton. Je m'attendais pas à tomber dessus, mais encore moins à cette beauté. Je serais pas obligé de la chercher pendant proche de un an, un carton. Vraiment très rare. Je l'ai pogné tout de suite. Vraiment content. Mais il y aura d'autres ouvertures, c'est sûr. Fait que, dans le petit livret, on va aller dans les pages des Full Art et compagnie. Dans les cartes qu'on voulait, c'est surtout... ben, c'était bien elle. Fait que, si je l'aurais pas eu, c'est elle qui a été mon objectif suprême. Mais bon, il va falloir que je m'en trouve un nouveau. Un autre carton que je voudrais bien. Bon. En tout cas, pour l'instant, on a eu le beau carton. Fait que c'est ce qui va conclure la vidéo. Fais lâcher un pouce bleu, un like, ben c'est la même chose. Un commentaire, activer la cloche et vous abonner. Et on se voit la prochaine fois. Yes, sir!